Allez, on attaque cette vidéo d'emblée avec un petit test rigolo. Dans quel sens voyez-vous tourner cette danseuse? Plutôt à gauche, plutôt à droite ou dans les deux sens? Ce serait vraiment intéressant d'avoir votre avis dans les commentaires, car vous allez voir que d'une personne à l'autre, les réponses vont différer. Et c'est d'ailleurs tout le sujet de ce nouveau tuto lié à l'hémisphère droit de notre cerveau, qui une fois entraîné vous permettra de décupler votre créativité lors de la création de vos logos ou de votre apprentissage en dessin, et vous fera passer du statut de graphiste amateur à celui de graphiste un peu plus professionnel. Je tenais vraiment à enregistrer cette vidéo car les histoires que je vais vous raconter sont issues de mon parcours scolaire en art graphique et ont totalement bouleversé ma vision du graphisme. Car oui, c'est possible d'apprendre le graphisme et le dessin en adoptant une toute nouvelle manière de voir les choses, juste en faisant appel à des fonctions spécifiques de l'hémisphère droit de notre cerveau. Magique, non? Allez, c'est parti, let's go! Ce tuto fait suite aux 5 astuces pour dessiner un logo avec Photoshop et Illustrator que vous pouvez retrouver en cliquant sur la fiche qui apparaît en haut de votre écran. Vous avez été nombreux à vouloir un troisième épisode, il y a un réel engouement autour de la création de logos. Merci beaucoup pour tous vos messages de soutien. D'ailleurs pour certains, vous êtes bien éclatés, je ne vise personne, ça va se payer. Encore une fois, si un épisode 4 vous intéresse, il suffit de me le dire en fin de vidéo dans les commentaires. J'ai encore beaucoup de choses à raconter à ce sujet. Vous pouvez également rejoindre notre communauté sur Discord. Le serveur est tout frais, mais nous sommes déjà nombreux à échanger autour d'une passion commune, le graphisme. Dans le but de vous améliorer, vous pourrez tous les mois participer à des défis graphiques et recevoir des avis constructifs de la part de la communauté et de notre équipe. Bref, on vous attend tous sur Discord. Pour nous rejoindre, le lien se trouve dans la description en bas de la vidéo. Parlons maintenant de votre outil de travail. Le cerveau. Savais-tu que notre cerveau avait deux hémisphères, le gauche et le droit? Même s'ils sont effectivement reliés, ils n'auraient pas du tout la même fonction. Pour faire simple, l'hémisphère gauche de notre cerveau serait le lieu de la logique, du rationnel et de l'analyse, tandis que le droit serait le lieu de l'imagination, de la création, du rêve, de l'intuition et de l'émotionnel. Alors tu vas me dire, super Damien, ça me fait une belle jambe, en quoi ça va m'aider à m'améliorer en graphisme et dans la création de mes logos? Et bien tout simplement, car si tu veux t'améliorer en graphisme et en dessin, il va falloir doper un petit peu plus la partie droite de ton cerveau en adoptant une toute nouvelle manière de percevoir les choses. Et ce mode de pensée créatif te sera utile dans tous les domaines. Au fait, dans quel sens avez-vous vu tourner la danseuse? Ce petit test vous permet d'emblée de savoir si vous fonctionnez avec l'hémisphère gauche ou avec le droit. Prends le temps de me répondre dans les commentaires, je ferai une petite moyenne des réponses pour rigoler. Alors si vous la voyez tourner dans le sens des aiguilles du monde, c'est que vous la regardez spontanément avec l'hémisphère droit de votre cerveau. Sinon, c'est que vous la voyez avec le gauche. Et si vous arrivez à la faire tourner comme moi dans les deux sens, c'est que votre cerveau est aussi attaqué que le mien et que vous êtes mal barré dans la vie et qu'il n'y a plus rien à faire. Non, je rigole. C'est que vous arrivez à utiliser et à équilibrer naturellement les deux hémisphères de votre cerveau. Mais c'est pas si évident que ça, on en reparlera tout à l'heure. Un autre test assez frappant sur l'intuitif ou le rationnel, c'est cette image qui a suscité beaucoup de réactions sur le net. Alors de quelle couleur voyez-vous cette chaussure? Sachez qu'à la base cette chaussure est rose avec des lacets blancs, mais les conditions de lumière font que les couleurs de cette photo sont faussées. Si votre cerveau fonctionne de manière rationnelle comme un ordinateur, donc hémisphère gauche, vous verrez cette chaussure en vert foncé avec des lacets et une semelle grise. Si votre cerveau fonctionne de manière intuitive, donc hémisphère droit, il devine qu'il y a un souci avec les couleurs et avec la lumière de cette photo, et il va s'arranger pour vous montrer à quoi ressemblerait cette photo si elle avait été prise dans des conditions optimum. Alors perso, moi je la vois rose avec des lacets et une semelle blanche, alors que même Photoshop confirme que la chaussure est bien grise et verte. C'est vraiment un truc de malade cette photo. On est dans la quatrième dimension. Et vous la voyez comment? Ça pourrait être marrant d'analyser vos réponses dans les commentaires et tout comme pour la danseuse, en faire une moyenne. Donc ces deux exemples sont des cas concrets qui démontrent les différences de perception et d'interprétation entre chaque individu. Et ces différences ont une réelle influence sur notre façon de travailler et de concevoir des choses en design graphique. Alors comment faire en sorte de doper un petit peu plus l'hémisphère droit de notre cerveau afin d'être beaucoup plus créatif et d'apprendre à mieux dessiner? Pour arriver à ne pas réfléchir de manière rationnelle, il faut donc déconnecter son hémisphère gauche pour être à l'écoute du droit. Alors je suis sûr que vous êtes déjà dit en regardant une personne qui dessine comme un ouf, qu'il était né avec un don naturel et que jamais vous pourriez l'égaler. Et bien sachez que ces personnes n'ont pas de super pouvoir, elles ont juste cette faculté à voir, à percevoir et à traiter différemment les informations visuelles que vous. Alors pour y arriver, n'hésite pas à mettre de la musique et à t'installer confortablement dans une pièce où tu te sens bien. Et je me rappelle, un de mes premiers cours en école d'art appliqué portait sur ce sujet. Et c'est durant ce cours que j'ai pris la plus grosse claque de ma vie et que j'ai eu la révélation qui m'a fait comprendre beaucoup de choses en graphisme et en dessin. Alors je sais, je te raconte ma vie, mais j'ai tellement envie de partager ces moments de ma vie avec toi, car c'est vraiment la clé si tu veux percer dans ce métier. Donc notre prof nous a demandé de virer toutes les tables et toutes les chaises de la classe et de nous positionner tous par terre en cercle au milieu de la pièce. Il a placé au milieu de nous une chaise et nous a demandé de la redessiner aux bonnes proportions. Nous avions 15 minutes pour cet exercice. Et bizarrement, au bout de 15 minutes, personne n'avait réussi à la redessiner aux bonnes proportions. Il nous a demandé de recommencer, mais cette fois avec une ambiance sonore, de la musique trop chelou. Je me rappelle encore, c'était des cris d'animaux et j'avais l'impression d'être en pleine savane. Le cours
trop perché quoi. Bref, tu nous as demandé de ne pas redessiner les contours de la chaise, comme on avait tous fait d'ailleurs, mais de redessiner les espaces vides qu'il y avait entre les barreaux des pieds, entre son assise et son dossier, etc. Tu vois où je veux en venir? Ouais, donc en gros, nous focaliser sur les espaces négatifs autour des volumes de la chaise. Et là, je te promets qu'au bout de 15 minutes, tout le monde avait réussi à redessiner cette chaise aux bonnes proportions. Alors pourquoi? Car le fait de dessiner les espaces vides tout autour de l'objet sans s'intéresser à l'objet en lui-même aura pour conséquence de déconnecter l'hémisphère gauche de ton cerveau, puisque pour lui, le vide ne représente rien de précis, donc rien de rationnel, donc il cesse d'imposer ce qu'il connaît et laisse son faux jumeau, l'hémisphère droit, s'en charger. Alors ça marche aussi très bien lorsque tu dessines un modèle d'image retourné à l'envers. Et je me rappelle de ce cours où nous devions dessiner un tableau de Picasso à l'envers. Notre cerveau était totalement perturbé par l'aspect très différent du dessin dans l'autre sens, et d'ailleurs les résultats de cet exercice ont été oufissimes. Pour toute la classe, les dessins étaient d'une grande qualité et tout le monde avait su respecter les proportions et les détails du tableau. Donc cet exercice est à conseiller à tous ceux qui veulent améliorer leur perception et leur vision des choses. Donc je t'invite à tenter ces exercices le plus souvent possible pour muscler l'hémisphère droit de ton cerveau. Car comme un muscle du corps humain, tu peux l'entraîner afin de le rendre meilleur et plus performant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans nos métiers, travailler au quotidien avec cet hémisphère droit, c'est vraiment la clé d'une réussite assurée. Utiliser l'hémisphère droit de ton cerveau lors de la création d'un logo ou d'un design ou d'un dessin te permettra d'avoir une vision globale et spatiale différente de ce que tu pourrais avoir en laissant la partie gauche dominer. Alors je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais les exercices mentionnés juste avant te permettront de créer beaucoup plus facilement des designs qui reposent sur des concepts forts, comme ces logos qui défilent à l'écran et qui reposent d'ailleurs tous sur ces fameux espaces négatifs. Car c'est ça qu'on demande aujourd'hui à un graphiste, c'est d'arriver à concevoir des visuels simples avec des messages forts et surtout qui ont du sens. Alors c'est très bien de maîtriser Photoshop, Illustrator ou n'importe quel logiciel, mais ce ne sont que des outils qui sont là pour venir illustrer tes idées issues de tes pensées, donc de ton hémisphère droit. Réussir un logo créé à l'aide d'espaces négatifs n'est pas chose facile, mais tu pourras y arriver beaucoup plus facilement en travaillant cet hémisphère au quotidien. Car oui, les espaces vides font partie intégrante d'une composition graphique, qu'il s'agisse d'un logo, d'une typographie, d'une image ou tout simplement du blanc de ton document, essaye toujours d'observer ces espaces négatifs et d'être attentif aux formes qui s'en dégagent. Une fois que tu les maîtriseras, je te garantis que tes créations graphiques seront à la fois esthétiques et beaucoup plus professionnelles de ce que tu faisais avant. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo un peu spéciale. Si ce sujet vous intéresse, rejoignez-moi sur Discord, je serais ravi de vous donner des petits exercices ou des tips pour vous améliorer. Vous pouvez également venir nous faire un petit coucou sur Instagram pour discuter ou tout simplement pour nous partager vos créations, en n'oubliant pas de nous mentionner avec le hashtag TeammateTuto. Et puis si vous êtes chaud pour un quatrième épisode, eh bien faites-le moi savoir. C'était Damien du collectif Teammate. Ciao !